Salut à tous, aujourd'hui je fais un x2 sur les roues. Non, Armand, sur le papier on avait bien calculé, c'est x2,5, oublie pas, il y a la roue de secours. Alors celle-ci, tu la comptes ou tu la comptes pas? Bon, effectivement, on va pas la compter celle-ci, donc on est bien en x2 sur les roues. Donc aujourd'hui, ça va parler d'un véhicule à 4 roues, ce magnifique Ford Connect. Quoi? Tu crois qu'il est pourri? Tu rigoles ou quoi? Moi je vais te montrer avec 2-3 petits coups de marteau que cette case, on peut la remettre sur la route. Crois-moi, je m'y connais. Moi je te crois pas du tout, Armand. C'est ce qu'on va voir. Tu veux du scotch? Ouais. Avec du scotch, hein, on verra pas qu'il a. Ouais. Il a déjà pété, mais on verra pas si on met du scotch. Hein. J'ai plus de peinture blanche, alors ça part pour du gris. Oh, t'as vu, j'ai bien bossé. Je suis très très fier du travail de carrosserie que tu nous as fait là. En plus de cette couleur là, c'est super, fait à la bombe et tout. Franchement, t'as vraiment géré à moi. T'es un champion sur la carrosserie. Mince, je crois qu'on voit l'autre derrière. Ouais, on coupe. Wow. Et voilà, on a été chercher du côté de Grenoble. Attends, vas-y, ferme-le, Armand. Faire voir. Un nouveau Ford Tourneo Connect. Voilà, parce que maman elle a éclaté le blanc. Donc on est reparti sur le même parce qu'on avait plein de pièces détachées avec l'ancien du coup. Et puis qu'on aime bien ce modèle là parce qu'il est bien pratique pour ce qu'on en fait. Donc voilà, là on reprend la route. Armand il a école demain matin, là il est 18h. Et en route on doit s'arrêter chez un abonné, chez Kevin, qui doit nous présenter une petite brêle. Qui est peu courante, d'ailleurs on vous fera peut-être une vidéo dessus. Et puis en plus après il monte jusqu'avec nous jusqu'à Saumur, donc on va faire un petit bout de route avec un abonné, c'est cool. Voilà, donc le nouveau véhicule de la famille Mini Wheeling. Allez, on vous reprendra tout à l'heure sur la route. T'es content, Armand? Ouais. C'est le même ou pas? Oui, c'est le même mais en noir. Quelques petits défauts mais ça va. Ça va? Et qu'est-ce qu'il a le moteur en plus? Le moteur il a plus de chevaux. Il a plus de chevaux. Il a plus de poney. Plus de poney. Allez hop, remonte en caisse. Let's go boy. Eh bien, nous voilà chez Kevin. C'est ça. C'est ça. Avec son très très beau Peugeot. C'est un TS, c'est ça? TSN Rally. La classe? De 1973. Un super modèle. Pour l'instant, elle est en réfection moteur, donc il n'y a pas le moteur dessus. Mais ça va vite revenir, elle a déjà fait ses premiers tours moteurs depuis 40 ans. J'ai vu les images, je vais aller caler d'ailleurs en même temps les petites images du moteur que tu m'avais envoyé qui tourne. C'est, ça. C'est vraiment top, ça fait vraiment plaisir. En plus, il y a une petite histoire de famille avec. Ouais, parce que ça, c'était la mobilette de jeunesse de l'oncle de ma compagne qui malheureusement est décédé l'année dernière. D'accord. Voilà, et ça fait 40 ans qu'elle est stockée à attendre que quelqu'un la récupère. Et bien, elle a bien fait d'attendre.
Voilà. T'as l'air bien motivé pour la faire et ça, ça c'est cool. Carrément. Si on peut la transmettre à la famille derrière, ça sera top. Excellent. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être passer, si vous avez des pièces pour cette brelle-là, on sait jamais. Ouais, hein? Il manquerait par exemple un carter de boîte à outils. Okay. Et les calepieds arrière, parce que c'est une Et les calepieds arrière, d'accord, ok. C'est les seules choses qui me manquent dessus. Donc si vous avez de la pièce, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous envoyer un petit mail. Ça peut être sympa, on sait jamais. Ça peut être ouais. Et puis en sachant que nous, dans notre communauté, c'est que des petits prix. Donc si vous avez des pièces, c'est petit prix. Sinon, je vous dégage de la chaîne. Mais ouais, un chouette petit modèle. Ça fait plaisir de voir ça. Et puis ça fait plaisir de voir qu'elle va reprendre la route. Et on se fera une petite vidéo, je pense, quand elle sera remise en route. Vu qu'on a l'intention de nous déménager et de se rapprocher de chez vous, c'est ça, pas super. Se faire un petit rassaut ensemble. Et ben, on se fera des petites balades sur les bords de Loire, du côté de chez nous. C'est ça. Et puis là, on va se faire un petit bout de route. Ouais. Parce que nous, on a notre vieux véhicule, enfin notre nouveau véhicule qui est là. Et puis, on va remonter Kevin et son fils du côté de Saumur. C'est ça, exactement. Donc, la rencontre abonnée qui se finit en blabla car abonné. Allez, on vous reprend plus tard. Premier arrêt, nickel. Tous les gamins sont partis au pipi. Il est 1h30 par là. Trop bien, on va arriver vers 3h30, 4h à la maison. C'est cool, il marche bien ce petit connect là. Content d'avoir été le chercher jusqu'à Grenoble. Il y a quelques petits défauts forcément avec. Je sais pas si ça vous intéresse, on vous fera une petite vidéo de présentation. Parce que nous, c'est un petit véhicule qu'on adore. On trouve hyper pratique. Bon là, il brille. Hein. Là, il paraît tout neuf, il paraît nickel, mais bon, il a quand même 120 000 bornes. Donc, il a ses petits défauts. C'est fou de parler d'une bagnole comme ça, alors qu'on est sur une chaîne dédiée aux bécanes, aux brelons, aux BMX. Mais ouais, on est tellement content de ce genre de petit véhicule, franchement, que ça fait plaisir de le présenter. Ah, et sale gosse, ça a fait pipi. Ouais, ça secouait du haricot. Allez, c'est à mon tour. Et là, on se retrouve à la maison. Donc, on est arrivé vers 4h30 le matin pour qu'Armand reprenne l'école à 9h. Donc, c'était pile poil ce qu'il fallait. Et puis là, on est en train de démonter donc l'ancienne carcasse pour récupérer un maximum de pièces. On en a déjà vendu. Il y en a qu'on garde aussi pour le nouveau. Et puis voilà, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur le même véhicule. C'est parce qu'on avait un peu de pièces détachées d'avance. Et ça nous a permis de négocier pour quelques petits défauts que le nouveau avait. Donc allez, je vous laisse avec la fin du démontage. Moi, c'est déjà la deuxième. Mets-moi avec tout ce que j'ai. T'en as combien là? Il me reste une. Ah, ça gêne. What? Je fais la dernière. Tu vas y arriver à un moment ou pas? Ah! Ah! Faut enlever le pare-soleil après, il va tomber, fais gaffe. Gagné. Et après, à mon avis, c'est que du clips. Ah non, il y a encore une. Ah! Oh, elle est bien tombée! Oh, elle est bien tombée! C'est... Détends-toi, René. Là. Et après, t'as un torx à l'intérieur, tu le vois? Oui, je vois pas. Non, un torx. Non, mais moi j'ai un cruciforme, non? Hein? Où ça? Bah oui, moi j'ai un cruciforme. Là? Oui? Ah ouais, moi aussi, tiens. Putain, bah il allait pas s'envoler le bordel là. Ah, regarde, papa, hop là. Fais gaffe avec le pare-brise, ça ne peut pas aller mettre ta main dessus parce que ça pourrait être coupé. Ah bah moi j'ai. En fait, regarde dans le trou là où il y avait les trois vis cruciformes, regarde. Je vais te passer ah, la vie après. Bon, cette petite vidéo, c'était aussi pour faire un petit rappel à tout le monde, parce que je pense qu'on a toujours besoin de ce genre de petit rappel quand vous êtes sur la route, que ce soit en moto, en voiture, n'importe quel véhicule. Faites attention à vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut faire mal, ça peut faire très très mal. Là, nous, Hélène, elle s'en sort juste avec quelques points de suture et puis un véhicule complètement HS, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être plus dramatique. Donc faites attention sur la route s'il vous plaît, et puis on se voit pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao.